Je connais ce musée depuis des années, peut-être 25, 30 ans. Celui-ci était rempli de trésors. C'est-à-dire qu'il y a des cartons remplis d'archives, de dessins merveilleux qui datent du 19e, 20e, de toutes les époques, de tous les styles. Et je viens très souvent m'inspirer ici depuis longtemps. Mais c'est très inspirant, c'est un lieu très inspirant. Moi, je pense que j'aurais pas accepté de faire l'exposition si j'avais pas eu Barisol derrière. Parce que là, ça m'a permis de donner des ambiances, de tout. En fait, rien n'était impossible. Je demandais quelque chose et tout était faisable. On pouvait habiller le plafond, on pouvait habiller les sols, on pouvait faire les murs avec les dessins que je voulais, avec les dessins qu'on envoyait, avec les photos qu'on envoyait. Ça donne à cette exposition une âme vraiment. Enfin, c'est vraiment chaque petite. On a l'impression d'être dans des petites pièces, dans un univers. Ça donne envie de faire plus grand. Je pense que les femmes depuis toujours ont dû se battre et doivent être encore plus originales et plus fortes que les hommes pour prouver quelque chose. Et c'est vrai que dans la mode, il y a eu des femmes formidables depuis le début du siècle dernier. Il y a eu Chanel, il y a eu plusieurs femmes quand même, Madame Carven, enfin, beaucoup de femmes. Donc c'est vrai que c'est plus difficile, il faut être plus pointue, plus originale et plus combattante. Madame Thomas, nous aurons dans un instant le grand plaisir de vous rendre un hommage tout particulier. Merci beaucoup, je ne m'attendais pas à ça. Je vous remercie tous. Une équipe formidable, compétente, qui était heureuse de faire ce travail et qui aime des gens qui aiment leur métier. Et ça, je trouve ça super important. Et je trouve que quand on est passionné comme je le suis, si on rencontre des gens qui sont pareils, c'est génial.